Judges 14. Juges 14. Verses 5. Le verset 5. Through verses 14. Jusqu'au verset 14. So Samson went down to Timnah with his father and mother and came to the vineyard of Timnah. Now, to his surprise, a young lion came roaring against him. And the Spirit of the Lord came mightily upon him, and he tore the lion apart as one who will torn apart a young goat. Though he had nothing in his hand, if it's your Bible, underline, he had nothing in his hand. Si tu as une Bible souligne, il n'avait rien en main. He had nothing in his hand, but he did not tell his father nor his mother what he had done. Then he went down and talked with the woman, and she pleased Samson well. 8. After some time, when he had returned to get her, he turned aside to see the carcass of the lion, and behold, a swarm of bees and honey were in the carcass of the lion. And he took some of it in his hand and went along eating. When he came to his father and mother, he gave them some, and they had also eaten. But he did not tell them that he had taken the honey out of the carcass of the lion. So his father went down to the woman, and Samson gave the feast there for the young men who used to do so. And it happened when they saw him that they brought 30 companions to be with him. Then Samson said to them, "Let me pose a riddle to you. If you can correctly solve, explain to me within the 7 days of the feast, then I will give you 30 linen garments and 30 changes of clothes. 13. If you cannot explain it to me, then you shall give me 30 linen of garment and 30 changes of clothing." And they said to him, "Pose your riddle that we may hear it." Verse 14. Everybody read with me. So he said to them, "Out of the eater came something to eat, and out of the strong came something sweet." Now for 3 days, they could not explain the riddle. This is the word of God. May you be seated in the presence of God. My title this morning is Ugly Battles and Sweet Victories. Ugly battles, but sweet victories. Look at your neighbor and say, ugly battles, but sweet victories. Oh, tell somebody again, ugly battles, sweet victories. It is Zig Ziglar who said, that difficult roads often lead to beautiful destinations. Difficult roads, complicated roads, often lead to beautiful destinations. He says this to entail that the process may be ugly. The process may not be loving. That there are times you go through processes. Il y a les temps où vous traversez certains processus. You hate it with all your life. Et vous détestez ça avec votre vie. You hate every single second of it. Vous haïssez chaque seconde de cela. But when the results come, mais quand les résultats arrivent, you begin to forget about all the pain it took you to get there. Vous commencez à oublier la douleur qu'il vous a prise pour arriver jusqu'à là. One of the greatest joy I have with God, l'une des plus grandes joies que j'ai avec Dieu, is that when we finally reach the top, c'est que une fois que nous atteignons,
nous arrivons au top. Once you reach to the place of results, une fois que vous arrivez à la place des résultats, once you reach the place where the things you had prayed for now begins to manifest, une fois que vous arrivez à la place où les choses pour lesquelles vous avez prié commencent à se manifester, God gives us a short memory span of the pain. Dieu nous donne une courte mémoire de la douleur. Easily one forgets the pain. Très, très facilement, quelqu'un oublie la douleur. As soon as they embrace the miracle. Une fois qu'ils embrassent le moment. It has been reported. Ça a été reporté. That women, as soon as they give birth. Que les femmes, une fois qu'elles donnent naissance. They forget the pain of childbearing. Elles oublient la douleur de l'enfantement. It is as if immediately. C'est comme si immédiatement. The fact that you hold the child in your hand. Le fait de porter l'enfant dans vos mains. Makes all the pain that made you cry ugly tears. Vous fait oublier la douleur que vous aviez eu. I mean, I don't know if you have been in labor room and have seen a woman give birth. Je ne sais pas si vous avez été dans une chambre d'accouchement et voir une femme qui s'accouche. There's nothing beauty about it. Il n'y a rien de bon avec ça. I mean, the face is swollen, the face is sweaty, the cries are ugly, it is painful. You can sense the pain. C'est douloureux, vous pouvez sentir la douleur. But when the child is here, mais quand l'enfant arrive, it is as if it is another person. C'est comme si c'est une autre personne. Because all the pain has disappeared. Parce que toute la douleur disparaît. And that's the reason why the psalmist will say, weeping may endure for a night. C'est comme ça que le psaume dit, on peut pleurer pour un moment. But joy comes in the morning. Mais la joie vient toujours le matin. Beloved, I've come to notice and understand. Bien-aimé, j'ai compris quelque chose. And this is a truth I want you to hold dear to your spirit. Et c'est une vérité que j'aimerais que vous puissiez vraiment chérir avec votre esprit. Is that life? C'est que la vie is made of levels. Est faite de niveaux. But accessing every level, mais accéder à chaque niveau, is qualified by the battles you win. Est qualifié par les combats que vous remportez. Every level of life, tout niveau de la vie, the door to the next level, la porte à la prochaine, is often niveau, through the adversity or the battles you win. Et souvent à travers l'adversité que vous remportez. Every type of challenges you face, toute sorte de problèmes que vous faites face, is indicative of the step you are, the level you are about to step into. Vient indiquer le niveau dont vous êtes à, vous devez à accéder. At the entrance of a new season, et l'entrée de la nouvelle saison, you will often notice that there's a battle that rises. Vous allez très souvent remarquer qu'il y a toujours un combat qui s'élève. At the entrance of a new season, à l'entrée d'une nouvelle saison, you will often encounter battles. Vous allez très souvent rencontrer des batailles. But when you encounter battles, et quand vous rencontrez des batailles, you have to know, vous devez savoir, it is not just a battle. Ce n'est pas simplement, it is not just a challenge. Ce n'est pas simplement un combat. It is not just an ugly fight. Ce n'est pas simplement un combat. It is a door. C'est une porte. To my next level. À ton prochain niveau. Which means that those battles, qui veut dire que ces combats, becomes your doorway, deviennent des portes, into your new season. Dans ta nouvelle saison. Let me rush it a little bit because my time is gone. Je vais aller un peu plus vite parce que mon temps est parti. Samson is a complex character in the Bible. Samson est un caractère complexe dans la Bible. You know, there are people that are very simple, you know, their life starts here, finishes there, and they did what they needed to do and they disappear. Il y a des personnes qui sont très simples, leur vie commence là et finit là et c'est très simple. But when you look at the life of Samson, Samson's life is not simple. Mais quand vous regardez la vie de Samson, sa vie n'est pas très simple. In fact, from his birth, you understand that the parents were not able to conceive. Depuis sa naissance, vous allez comprendre que ses parents n'étaient pas en mesure de concevoir. So his conception or his coming into life was a miracle by itself. Alors sa conception ou sa venue était déjà un miracle en soi-même. And God will determine that the life of Samson that I'm bringing is not just an answer to the family, but is an answer to me. Et la vie de Samson que je suis en train d'apporter n'est pas seulement la réponse à la famille, mais aussi à Dieu. You have to notice that, beloved, that sometimes when God blesses you, he's not just answering you, he's also answering himself. Vous devez remarquer que des fois quand Dieu vous bénit, il ne vous répond pas seulement à vous-même, mais il nous répond
Il se répond à lui-même. I'll repeat it again. Je vais répéter encore. We have to often remind ourselves nous devons nous rappeler très souvent that whenever God answers us, quand Dieu nous répond, he's not just answering us. Ce n'est pas seulement nous répondre nous-mêmes. He's also answering himself. Mais il se répond à lui-même. When Anna prayed that she will have a child, quand Anne a prié d'avoir un enfant, and that God will grant her a petition, et que Dieu va l'amener une pétition, it is not just an answer to Anna. Ce n'est pas seulement une réponse à Anne. But it was also an answer to the house of God. Mais c'était une réponse à la maison de l'Éternel. Because Eli was old and his eyes was dimmed. Parce que Eli était vieux et ses yeux étaient déjà abîmés. And there was no one in his household who could take over the priesthood. Et il n'y avait personne dans sa maison qui pouvait prendre la sacrificature. La sacrificature. So whenever Anna and I will pray and say, Lord, if you will bless me with this child, I will give him to you all the days of his life. Alors quand Anne a prié en disant, Seigneur, si tu me donnes un fils, je le consacrerai à la maison du Seigneur toute sa vie. And God said, there it is. Et Dieu a dit, voilà. It is not just an answer for you, it is also an answer for me. Ce n'est pas seulement une réponse pour toi qui a prié, mais c'est aussi une réponse pour moi. So Samson comes. Alors Samson vient. God gives a bunch of instruction of how the parent ought to behave before he's coming. Et Dieu donne une multiple de conditions pour les parents pour avant son arrivée. Of how they needed to observe the law of the Nazarites. Comment ils devaient observer la loi des Nazaréens. They had to keep it in mind because of what they was going to receive. Ils devaient garder cela par rapport à ce qu'ils. And so Samson is born, and Samson carries the mandate to be a judge in Israel. Alors Samson est né et il porte le mandat d'être un juge en Israël. Because after the death of Joshua, Israel enters a dispensation where they are ruled by judges. Parce qu'après la mort de Josué, Israël est entré dans une dispensation où ils sont dirigés par les juges. So it is different judges that were now overseeing the matters of the people. C'est plusieurs juges qui étaient en train de gérer les problèmes des gens. So Samson will become one of the judges in Israel. Et Samson deviendra l'un des juges en Israël. And one of his mandates was to deal with the Philistines. Et son mandat était de gérer ou de dealer avec les Philistins. Can I have a bit of sound in the house because I'm feeling my voice strained? Je peux avoir un bon son dans la maison. So it is a matter of dealing with the Philistines that God brought Samson. C'est pour dealer avec les Philistins que Dieu a amené Samson. So in his time to fight the Philistines, alors dans son temps où il combattait les Philistins, he never thought that he will find this individual or this thing that he's about to find in the text we read. Il ne savait pas qu'il allait combattre cet individu qu'il va trouver dans son chemin. He thought that, you know, I am called and I am anointed to fight and defeat the Philistines. Il sait qu'il était appelé et oint pour combattre les Philistins. That's the reason why the parents did not understand it, and they will often forbid him to get married to the Philistines' women. C'est la raison pour laquelle les parents ayant compris l'ont interdit de se marier à une femme philistine. They say, "What's wrong with you, Samson? Don't you have, you know, women amongst our tribe and amongst our people that you will have to go and marry the Philistines' women?" Les parents vont lui poser la question, qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Samson? N'y a-t-il pas une femme au milieu de notre tribu que tu peux trouver? But in verses number 3, the Bible says that the parents, the mother and the child did not know that it was God who was seeking an opportunity. Et au verset 3, les parents et les sœurs ne savaient pas que c'était Dieu qui trouvait une opportunité. I open a bracket and say to you, don't go marry into the Philistines' family. J'ouvre une parenthèse et je dis, ne va pas te marier, ne va pas te marier dans la famille des Philistins. You are not Samson. Tu n'es pas Samson. Oh no, but you know, Pastor, you know, Samson married into the Philistines. Samson s'est marié chez les Philistins. I will just tell you that, how did he finish? Je vais te poser la question, comment a-t-il fini? Somebody say hallelujah. Quelqu'un dit hallelujah. So there are certain experiences, as I taught in the academy this week, that there are certain life experiences that God allows you to go through based on the trajectory of your calling. Comme je l'ai enseigné dans l'académie, il y a certaines choix de la vie que Dieu permet à ce que vous puissiez partager
par rapport à là où il vous amène. So God allows Samson to marry a Philistine woman. Alors Dieu a permis à Samson d'épouser une femme because philistine. Because God was seeking an occasion in verses 4. Parce que Dieu cherchait une occasion. It says, for the Lord was seeking an occasion to do what? To move against the Philistines. Au verset 4, la Bible dit parce que Dieu cherchait une opportunité de combattre les Philistins. So the opportunity was going to come through relationship. Alors l'opportunité devait venir à travers la relation. I open a bracket again and I say, don't get married to anybody. J'ouvre encore une parenthèse et je dis, ne te marie pas à n'importe qui. Because there is a thing called covenant. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'alliance. That which allows someone qui permet à une personne who did not have access to the entire family to now have access. Qui n'avait pas accès à toute une famille d'avoir maintenant accès. Because what Samson was looking for, parce que ce que Samson recherchait, was not just love. Ce n'était pas seulement l'amour. He was seeking for how to live among the Philistines. Il cherchait à savoir comment vivre. Because if I comes among the Philistines as a stranger, parce qu'il était au milieu des Philistins comme un étranger. They will reject me and I won't have the opportunity to defeat them. On allait les rejeter et ils ne devaient pas avoir l'opportunité. But I needed to find a way to live among them. Je suis là pour trouver un moyen de to learn how they operate. Pour savoir comment ils opèrent. To learn their culture. Pour connaître leur culture. So that when I have an opportune time, en fait, lorsque j'aurai les moments, I will fight them from within. Je les combattrai de dedans. The greatest strategy of the enemy. La plus grande stratégie, it is not to fight you from outside, ce n'est pas de te combattre en dehors, but it is to fight you from within. Mais c'est de te combattre de most of the battles that takes place in your life, la plupart des combats qui prennent place, and most of the ugliest battles you will face, et les plus moches des combats que are not the battles outside, non, mais sont pas les combats de but are the battles that are within. Mais c'est de combats de l'intérieur. Oh, that's what the Bible says, for a house divided against itself, parce que comme ça, la Bible dit, là, it cannot stand. When the devil gets to the point where he brings you into disagreement with yourself, quand les diables arrivent à te mettre en désagrément, even yourself cannot agree with who you are, même toi-même, tu ne sais pas être d'accord avec there is nothing someone can do on the outside, et il n'y a personne que quelqu'un peut faire de l'extérieur, that can be able to shake you into a better way, qui peut te bouger dans la bonne direction. Imagine you are dealing with witchcrafts. Imaginez-vous, vous dealz avec la sorcellerie. It is easy to deal with it, you know, when it is in happening in the surrounding. C'est facile de dealer avec ça lorsque ça se passe à l'extérieur. It is easy to deal with it when it is in your neighbor's house. C'est facile de gérer, c'est là quand c'est dans la maison de ton voisin. It is easy to deal with it when it's happening in a church community. C'est facile de gérer lorsque c'est dans la communauté de l'église. When your own kid is a witch. Mais qu'est-ce qui se passe quand ton propre enfant est sorcier? Where do you take them? Where do you leave them? Où est-ce que tu les amènes? They live with you. Ils vivent avec toi. They are your blood. C'est ton sang. By blood they have access to the lineage. Et à cause de ton sang, ils ont accès à l'héritage. So it is not a matter of you shutting the door or the window of the house. Ce n'est pas le problème de fermer la porte ou les fenêtres de la maison. By virtue of blood they can be able to intercept whatever conversation one can have. À cause du sang, ils sont capables d'intercéder la conversation que tu peux but avoir. But beloved, bien-aimé, it is this strategy. C'est une stratégie that God will use que Dieu va utiliser because he needed the people parce qu'il avait besoin que les gens to have he needed Samson to have an advantage over the Philistines. Il avait besoin que Samson puisse avoir de l'avantage sur les Philistins. I leave it alone. Samson is anointed to fight the Philistines. Samson est oint pour combattre les Philistins. Every time he's in front of the Philistines, he beats them like he's one man. Et toutes les fois qu'il est devant les Philistins, il les bat. This time, et mais cette fois-ci, Samson is going down to Timna, va à Timna, and finds another kind of adversary, et trouve toute une autre forme d'adversité. And this time it was not the Philistines. Et cette fois-là, ce n'était pas les Philistins. This time it was a lion. Cette fois, c'est un lion. Beloved, bien-aimé, in the riddle that Samson will give, amen. Riddle. In the proverb that Samson will give, dans les proverbes que Samson va donner, he said, "Out of the eater came something to eat." Il a dit, en dehors de quelque chose est sorti quelque chose à manger. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Out of the eater has come something to eat.
So when he poses this riddle, et quand il pose l'énigme, he's talking about the lion who is the eater. Il parle du lion qui est un mangeur. That's the reason why my title of the message is Ugly Battles. C'est la raison pour laquelle le titre de mon message ce sont les manches combats. Why is it an ugly battle? Pourquoi est-elle manche de combat? Because when we're dealing with a lion, parce que lorsque nous gérons un lion, number one, we know that a lion is a wild animal. Numéro un, nous savons que un lion est un animal sauvage. A lion is not a domesticated animal. Un lion n'est pas un animal domestique. Some years ago, we visited a lion park. Quelques années auparavant, nous avons visité la parc de lions. And we saw the lion in cages. Et avons vu les lions dans les cages. And some lion that were walking, roaming free in the wild. Et il y avait certains lions qui marchaient librement. And I asked the guys that were doing the tour. Et j'ai posé la question à la personne since qui faisait le tour. These lions, you have heard them since they are babies. Ces lions, vous les avez eu depuis qu'ils sont des bébés. Are you sure that you know they have changed? Êtes-vous sûr qu'ils ont changé? How sure are you that they will not eat you? Êtes-vous sûr qu'ils ne vont pas vous manger? He said, because we are with them every single day. Parce qu'ils disent, on est avec eux chaque and jour. They are accustomed to us since they were young. Et ils sont habitués à nous depuis qu'ils sont enfants. But, even when they are accustomed to us, même lorsqu'ils sont habitués à we nous, always use precaution. Nous utilisons toujours la précaution. Because killing is their instinct. Parce que tuer est leur instinct. It is not a matter of is my baby lion. Ce n'est pas un problème de c'est mon bébé lion. In his blood. En dans son sang. Killing. Tuer. Is his nature. C'est sa nature. This is the kind of opponent. C'est les gens d'opposants. That Samson will face. Que Samson va faire face. You know, for you and I. Il sait. You and I. Toi et moi, we can disagree. On peut être en désaccord. But at some point, mais à un moment, we can look at the place. On peut regarder un endroit. And say this is not the place to fight. Et dire ça ce n'est pas un endroit de se battre. We let ourselves go. Et on part. We can disagree. On peut être désaccord. We get into battles. Que on entre dans un combat. But after a while, we say no. Mais après un moment, nous disons non. Let's forget it. Oublions cela. But how do you argue? Comment est-ce que tu with the lion? Argumente avec how un lion. Do you explain yourself? Comment tu t'expliques to the lion? À un lion. How do you argue your case? Comment tu before a lion? Devant un lion. When you fight a lion, quand tu combats un lion, a lion does not subject himself to a particular discipline. Le lion n'a pas une discipline quelconque. Listen. Écoutez. Every sport. Une réponse. Every sport. Une réponse. Sport. Un sport. Any sport. N'importe quel sport. When you fight. Quand vous combattez. You are subjected. Tu es to certain rules. Even if you are a boxer. Même si tu es un boxeur. There are certain kind of maneuver that is not allowed. Il y a certaines manœuvres qui ne sont pas permises. Because it is out of the principle of the sport. Parce que c'est en dehors des principes. When de you sport. Are a soccer player. Quand vous êtes un footballeur, you play with your feet. Vous jouez avec vos you pieds. Don't play with your hands. Non pas avec le because main. It is the discipline of the sport. Parce que c'est la discipline des when sports. When you are a basketball, quand vous êtes un basketball, like I discovered many of you, plusieurs d'entre vous, like it was your young passion. Amen. Mama Ruth said that I always dreamed to have a husband that played basketball. Maman Ruth a déjà toujours rêvé d'avoir un mari qui and joue au basketball. And the family day she was so happy. And le jour to discover that her husband de savoir que was a hidden Michael Jordan. Était en train de jouer le basket. I forget that bracket and come back to my preaching. Amen. So, alors, when you deal with basketball, quand vous gérez avec you le basketball, don't play with your feet. Vous ne jouez pas avec les pieds. You play with your hands. Vous jouez avec vos mains. Because that is the rule of the sport. Parce que c'est les règles de ce sport. If you are fighting a battle, si vous combattez dans un everybody combat, is subjected tout le monde est to the rules of the game. Aux règles de but jeu. When you are fighting a lion, mais quand vous combattez un lion, a lion does not care. Un lion n'est en how is it you are fighting? Comment est-ce que vous vous he combattez? Fight with his paws. Lui, il combat avec he sa bouche. Fight with his mouth. Il combat avec sa bouche. He fight with his weight. Il combat avec sa façon. He fight with his roar. Il combat avec ses everything about a lion. Toutes choses concernant is engaged into a battle. Sont engagés dans les combats. He could have been easy.
Et ça pouvait être simple. If you fought one, si vous devez combattre that was subjected qui est sujet to a certain discipline, à certaines disciplines. But how do you fight? Mais comment combattre? A wild animal. Un animal sauvage. It is this thing c'est cette chose that I call que j'appelle a ugly fight. Un combat moche. What part of you do you protect? Vous tous vous protégez. What part of you do you protect? Quelle partie de vous vous protégez? How do you defend yourself? Comment est-ce que vous vous défendez? And you have nothing in your hand. Et vous n'avez rien dans You're vos not mains. Understanding what I'm saying. Tu ne comprends pas you ce que are je dis. In front of a lion. Tu es en face de lion. You don't have a weapon. Tu n'as pas un arme. You don't have a sword. Tu n'as pas un. You don't have a stone. Tu n'as pas une pierre. You don't have a machete. Tu n'as rien. You have nothing. Tu n'as rien. Just your bare hands. Juste tes mains. How do you fight a lion? Comment tu combats un lion? And Samson. Et Samson. Although Samson. Samson is fighting. Est en train de combattre. With a lion. Avec un lion. It's an ugly fight. C'est un moche combat. Because when you come out of that fight. Parce que quand vous venez. Even if you are alive. Même si vous êtes vivant après ce combat. You will be trenched in blood. Vous serez sans, en sang, your time of recovery, votre temps de récupération, it is longer than the time of any fight you could have had in life. Sera plus longtemps que n'importe quel combat que vous avez eu à Some faire face. Some of you this year, quelqu'un d'entre vous cette you année, you have been fighting ugly battles. Vous avez eu à combattre des moches combats. Battles that are unfair. Les combats qui sont vraiment you injustes. Know, when your opponent is down, quand votre opposant est à terre, they allow you a time out et qu'on vous donne un temps mort, until you gain back your breath, jusqu'à avoir votre énergie, to stand up again, pour se mettre debout but encore. In an ugly fight, mais dans un combat moche, they don't give you time to gain your breath. On ne vous donne pas le temps d'avoir un repos. They don't care that you just lost your son. On s'en fout que tu as perdu quelque chose. They don't care that you just buried your wife. On s'en fout que tu as enterré ta femme. They don't care that you just failed an exam. On s'en fout que tu as Life is an ugly fight. La vie est It doesn't combat. Matter how you woke up yesterday. Life is an ugly fight. La vie est un moche they combat. Don't care that you grew up with that daddy and mommy. Ils s'en foutent. Life is an ugly fight. La vie est un moche they combat. Don't care that you did not grow up from an advantage background. On s'en fout que tu as grandi dans une they don't avantageux. Care that you did not know English when you were born. On s'en fout que tu connaissais they did not tu care es. That you did not go to school until on you were 20. On s'en fout que tu life is an ugly fight. La vie est un moche I combat. Said life is an ugly Je fight. Dis, la vie est un moche because combat. Nothing is considered parce que rien n'est considéré in the battles you are facing. Dans les combats que tu fais face. It would have been better ça pouvait être meilleur if they could consider the fact si on pouvait considérer that this has not been an easy year que ça n'était to leave facile. You in peace. De te garder en it paix. Would have been better ça pouvait être facile if they would consider si on pouvait considérer that in a short space of time dans un court moment, you lost many members of your family tu as perdu plusieurs so membres they de ta leave famille. You in peace et on te laisse but en paix. Life mais la vie is an ugly fight est un moche combat. I said life je dis la vie is an ugly fight est un moche combat. They don't give you time out on te donne pas un they don't give you a break ni moi un they repos. Don't give you time to catch your ni breath moi les temps d'avoir every repos. Single day you wake up chaque you are réveille. Fighting. Tu dois combattre. It doesn't matter how bad you fought last night. Ça n'engage pas comment tu as combattu. If you are waking up, si tu te réveilles, it is another battle. C'est un autre combat. Somebody said life. Quelqu'un dit la vie. Is an ugly battle. Est un moche combat. And some people. Et quelques personnes. Will even tell you. Vont te dire. Who do you think you are? Qui penses-tu que tu es? Do you think I'm your psychologist? Tu penses que je suis ton psychologue? You show up to work. Tu viens you au travail. To do your duty. Tu viens faire ta responsabilité. You are not here to be babysitted. Tu n'es pas là pour être chéri. A manager will wake up to you, shout at you. Quelqu'un va se réveiller matin et gronde sur toi. A manager will shout at you. On va gronder sur for toi. For not doing the minimum. Pour ne pas avoir fait le minimum. But they do not know. Mais ils ne connaissent pas. That all night. Que toute la nuit. You were beaten by your husband. Tu étais frappé par ton mari. It's even a miracle that you show up at work. C'est même un miracle d'arriver au travail. But life la vie is an ugly battle. Est un moche combat. Amen. Listen. Écoutez. When a lion fights, quand un lion se bat, nothing is safe. Rien n'est prudent. No. Nothing is protected. Rien n'est protégé. Everything toute chose is exposed to his
hoops and hits. Tout est exposé à ses coups. When the devil fights you, quand le diable te bat, te combat, he doesn't care that your marriage is just 6 months. Il s'en fout que ton mariage soit seulement 6 mois. He doesn't care that your baby is just 2 days old. Il s'en fout que ton bébé soit seulement 2 jours. He fights. Il combat. And he is not obligated. Et il n'est pas obligé. To subject himself to any discipline. De se mettre, d'avoir n'importe quelle discipline. Ugly battles. Un manche combat. It is battles that you are fighting. Ce sont les combats que vous combattez. With an opponent who has relentless strength. Avec un opposant qui a une force infatigable, interminable. Relentless strength. Une force interminable. Some of you, quelqu'un d'entre your vous, companies are taken to court. Votre compagnie est amenée au tribunal. Who has enough money par une personne qui a suffisamment de to l'argent drag the trial for 10 years. Pour amener ces problèmes pour 10 ans. While you can't even survive 2 days pendant of audience. Pendant que vous ne pouvez même pas survivre pendant 2 jours. It is an ugly battle. C'est un manche combat. Such as which, Mr. Please call me as with Vodacom. Amen. How long has that battle been going for? Le combat de Vodacom, combien de temps ça a duré? Almost 20 years. Bientôt 20 ans. The battle has been draining. Ce combat était toujours because they know. Là, parce qu'ils savent. If you can fight us, si tu dois nous combattre, you have an advantage to win. Tu as l'avantage de gagner. But we have advantage over the relentless strength we have. Mais nous avons l'avantage sur la force interminable. We can hire any sort of lawyers. Nous pouvons employer n'importe quel lawyer. We can afford any sort of courts. Nous pouvons avoir and we can appeal and appeal and appeal and appeal and appeal. Relentless strength. Une force interminable. It is your case to win. C'est ton cas but the relentless strength of your opponent. Mais la force interminable de ton opposant drags you to give up. T'amène à baisser les bras. I am praying that that guy will eat his billions before he dies. Je priais que ce monsieur puisse avoir ses billions avant de mourir. Every court has decided that the case is his to win. Tout tribunal a décidé que ce cas est pour lui de gagner. Pay me my money. Oh. The calculation were not fair. Oh, les calculs n'étaient pas bons. We need to take that calculation in review. On doit remettre ces calculs dans les working reviews. On technicalities. Il travaille dans sur la technicalité. To get you tired. De te fatiguer. How do you fight an enemy? Comment combattre un ennemi? Who has more means of strength? Qui a plus de moyens de force? Than you. Que vous-même. Ugly fights. Un manche combat. Ugly battles. Un manche combat. You are bataille. Fighting with a general. Vous combattez un général. Who has all the connections? Qui a toutes les connexions. Who can jail you without a process? Qui peut faire sans les processus. Without trial, who can jail you? Ou qui peut te mettre en prison. Without trial. Sans pour autant passer par le tribunal. Ugly battles. Un manche combat. When you explain your case to every battle, everybody. Quand vous expliquez votre cas à tout le monde, even the lawyers, même even the judges, les avocats, même les juges, it is you who's right. Ils disent que c'est toi qui as but raison. How am I put back in my right? Mais comment est-ce que je dois être remise dans mon droit? Ugly battles. Manche combat. Ugly battles. Manche combat. But listen, beloved. Mais écoutez, bien-aimé. Ugly battles. Les manches combats. Fight you in a season where you are weak. Te trouve toujours dans une saison où tu es faible. Ugly battles. Les manches combats. Fight you. Te trouve. When you have no little, when you have little resources. Quand vous avez tellement peu de ressources. Maybe no resources at all. Et des fois sans ressources. With a world-equipped devil. Avec un diable bien équipé. Look at the geopolitics of the Middle East in this season. Regardez la situation géographique. Géopolitique. Géopolitique. Of the Middle East, if you care to watch the news. Si vous regardez les informations. Israel. Israël. Is in a battle with the people of Palestine. Est en train de combattre les peuples des Philistins. Or rather, Palestine. The people of Palestine are claiming their rights. Pendant que les Palestiniens sont en train de réclamer leurs droits. So they are in a battle.
Ils sont dans un combat. The Palestinians have allies. Les Palestiniens ont des alliés. That are siding with them to fight Israel. Qui se mettent à côté d'eux pour combattre Israël. And amongst them a milice called Hezbollah. Et au milieu d'eux, un homme qu'on appelle un groupe that we call Hezbollah. Qu'on appelle Hezbollah. Now, maintenant, the Hezbollah do not fight Israel directly. Ils ne combattent pas Israël directement. They go hide in a country called Lebanon. Ils vont se cacher dans les pays qu'on appelle Liban. Because they understand that Israel and Lebanon have some good relationship. Parce qu'ils comprennent que Israël et Liban ont une bonne relation. So their head of operation goes hide in a place. Alors leur source d'opération va se cacher dans la place. Israel cannot suspect that my enemy is there. Où Israël ne peut suspecter que mes ennemis s'y trouvent. Can you imagine? Que pouvez-vous imaginer? One of my enemies goes hide in one of my minister's houses. L'un de mes ennemis va se cacher dans la maison. I will not suspect of his presence because I understand their loyalty cannot allow such enemy to dwell there. Je ne peux même pas suspecter telle personne parce que je penserais que leur loyauté n'est pas. Mais ils n'ont. He set up his operation right there in Lebanon. Il a amené son opération jusqu'au Liban. Now Israel found out. Alors Israël a su. And somewhere somehow. Et d'une manière comme d'une autre. They thought what will be the best way to strike that enemy without upsetting our friends. Alors ils ont cherché un moyen d'atteindre l'ennemi sans pour autant affecter l'ami. Through their intelligence. À travers leur système d'intelligence. They found that they have a certain device they use for communication. Ils ont trouvé qu'ils ont un appareil qui peut utiliser des communications. They call it a pager. Ils appellent ça a pager. A pager. So that pager. Alors ce pager is an analog system of communication that does not really need a particular network for you to locate it. C'est un appareil de communication qui n'a pas besoin d'un réseau pour trouver you ça. You need to be tuned into the frequency of that device. Vous devez vous connecter dans la fréquence de cet appareil. So Israel decided to find how do I find that thing? Alors Israël a décidé de chercher comment trouver they cette found chose. The frequency. Ils ont trouvé la fréquence. And the frequency gave them the right location where that place was. Et ils ont, la fréquence leur a donné l'exact the building and the floor where that guy was hiding. Là où ces gens se cachaient. And Israel decided to do a strike in the midst of Lebanon. Et Israël a décidé de combattre and au milieu de Liban. And while striking the headquarters of the Hezbollah, all the people that were using that system, it also exploded. Et lorsqu'ils ont lancé leur attaque sur Liban, toutes les personnes qui étaient impliquées ont été affectés. Now, maintenant, to upset Israel, pour faire mal à Israël, and to put Israel in a very bad position that I don't wish them to be in, et de mettre Israël dans une mauvaise position dont je ne souhaite pas qu'il soit. Iran decided last Sunday to launch a missile attack on Israel. On a décidé, l'ennemi a décidé de lancer une missile vers Israël. I know I'm boring some of you, but it's gonna get good in a minute. Je sais que je vous ennuie, mais ce sera bien dans un moment. So last Sunday, alors, le dimanche antérieur, il y a au moins 300 missiles qui ont été envoyés vers Israël. And Israel et Israël has a choice. Avait le choix. Do I fight back Iran? De combattre Iran. Or look at them in the face and said, et regarder Iran en face et dire, I'll let you win this time. Je vous laisse gagner cette fois-ci. But how do you let them win when they fought you? Comment laisser Iran gagner lorsqu'il vous combat? Because when Iran comes and bombards and sends bombs on Israel. Parce que quand Iran est venu et a envoyé les bombes sur Israël. It is a tricky setup. C'était un setup compliqué. Because if Israel will replicate, will reply, or will attack back Iran. Parce que si Israël devait contre-attaquer Iran, it will activate all the allies of Iran to get to fight Israel. Ça devait réveiller les alliés d'Iran pour combattre Israël. And in this case, Israel does not have enough power to fight all these countries. Et dans ce cas, Israël n'a pas suffisamment de puissance pour combattre tous ces pays. Fight Lebanon, fight Iran, fight Iraq, fight, you know, all the Middle East countries and so forth and so on. Combattre tous les pays alliés à l'Iran. So Israel decided to ignore them. Alors
Israël a décidé d'ignorer Iran. While continuing to pursue the Hezbollah. Pendant qu'ils sont en train de poursuivre. Because he knew. Parce qu'ils savent. If I will turn my focus from pursuing Hezbollah. Si je tourne mon regard pour poursuivre Hezbollah. I might be defeated where I am assigned to it. J'ai déjà perdu en avance là où je they suis. They have bigger missiles than I have. Amen. The Iranians were saying that this was just a warm-up. L'Iran disait que ce n'est qu'un chauffement. This was not even our best battles. Ce n'était même pas un meilleur de nos this combats. Is the ugly battle. C'est un moche combat. You are having people. Vous avez des gens. Now Israel has an ally called the United States. Israël a un allié qu'on appelle les États-Unis. Which he can also engage himself in a battle. Qui peut aussi s'intégrer dans les combats. But is, the United States is no position right now. Mais les États-Unis n'ont pas une meilleure position to maintenant. Activate himself behind Israel. De s'activer derrière because Israël. If they activate themselves behind Israel. Parce que s'ils s'activent derrière Israël. Russia will activate himself with the Iranians. La Russie va s'activer avec les Iraniens. And you can just see that it is World War III that is starting. Et ça sera guerre mondiale qui va s'activer. The geography class is over. La classe géographique est finie. What I was trying to say, c'est que je voulais dire, is that there are certain battles when you fight them. C'est qu'il y a certains combats que vous combattez. They are provoking you on every side. Et ça vous provoque de plusieurs because côtés. Because they know that your resources to retaliate are limited. Parce qu'ils savent que ton pouvoir de répliquer if sont limité. If you begin to be distracted, si vous commencez à être distrait, by replying and retaliating to everyone, en répliquant à tout le monde, you will find yourself. Vous allez vous retrouver. With no power or resources sans pouvoir ou to fight the enemy that you wanted to defeat in the first place. De combattre l'ennemi dont vous vouliez combattre auparavant. That's the reason why. C'est la raison pour laquelle. In ugly battles. Dans les manches combats. In ugly fights. Dans les manches batailles. You gotta use discernment. Vous devez chercher le discernement. You got to use words. Vous devez utiliser le discernement. I said again, you got to use what? Vous devez utiliser quoi? Discernment. Le discernement. Tell your neighbor, say, use discernment. Dis à ton voisin, utilise le discernement. So? Alors? Samson said. Samson a dit. It is either I. C'est soit moi. Who gets eaten. Qui doit être mangé. Or it is either the lion. Ou le lion. That gets eaten. Qui doit être mangé. Logically. Logiquement, there is no possibility for you to think you will come out. Il n'y a pas une possibilité pour vous de penser que vous allez vous en sortir. Just close your eyes and imagine yourself you are walking in the bush and face to face with a lion. Fermez vos yeux et imaginez-vous en train de marcher en bush face en face avec un lion. Even yourself. Même vous-même. How do you imagine that thing finishing? Comment est-ce que vous imaginez la fin d'une telle histoire? My only imagination, mama. Ma seule imagination, is maman, that I wake up it was a bad dream. C'est que je me réveille que c'était dans mon rêve. Because I don't see how I come out of that situation. Parce que je ne sais pas comment m'en sortir my de cette situation. My only prayer is, say, Lord, even if it's not a dream, please wake me up. Je vais seulement prier, Seigneur, même si ce n'est pas un rêve, réveille-moi seulement. But Samson, mais Samson, the Bible says, and the Spirit of the Lord came upon him. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est venu sur lui. Beloved, ugly battles are not fought with human strength. Et bien aimé, les moches combats ne sont pas combattus avec ugly la force humaine. Ugly battles are not fought with human intelligence. Les moches combats ne sont pas combattu avec l'intelligence ugly humaine. Battles are not fought with human resources. Les moches combats ne sont pas combattus ugly avec les ressources humaines. Ugly battles are fought with the power and the Holy Ghost of God. Les moches combats sont combattus avec le pouvoir et l'onction de Dieu. For it is said, it is not by might, it is not by power, but it is by my Spirit, says the Lord. Parce qu'il est dit, ce n'est pas par mon pouvoir. Mais c'est par you will get tired, beloved, if you fight by yourself. Tu vas te fatiguer si tu combats par toi-même. They will drag the fight too long until you say it is over. On va allonger les combats en fait. They will drag the fight too long until you say I can't take it anymore. On va allonger les combats jusqu'à ce que tu but in an ugly battle, you gotta rely on God and His Spirit. Mais dans les combats manches, tu dois être en mesure de. I know you can argue your case. Je sais que tu peux argumenter ton cas. But let the Holy Ghost give you. The words. Mais que le Saint-Esprit te donne. I know you can sing your way out of trouble. Je sais que tu peux voir. But let the Holy Ghost anoint your voice. Que le Saint-Esprit ouvre ta bouche. I know you can do the math and take yourself out of that dilemma. Je sais que tu peux t'en sortir de ce but dilemme. But let the Holy Ghost give you a strategy. Mais que le Saint-Esprit te donne une stratégie. The power of the Spirit of God. La puissance de l'Esprit de Dieu. Came upon
Samson. Est venu sur Samson. And the Bible says with his bare hands. Et la Bible dit avec ses mains. He torn the lion. Il a déchiré le lion. As if he was tearing a young goat. Comme s'il déchirait un chevreau. In an ugly battle. Dans les manches combat. It is either you or them. C'est soit toi ou eux. But God told me to tell you. Mais Dieu m'a dit de dire. In this season of testimonies. C'est la saison des témoignages. It is gonna be you coming out alive. C'est toi d'en sortir when vivant. People saw you going in that battle. Là où les gens t'ont vu dans les combats. They started making funeral arrangements. Ils ont commencé à faire les arrangements de deuil. Because they knew you're not gonna make it alive. Parce qu'ils savaient que tu n'allais pas sortir when vivant. When they read your case file. Quand on a lu ton cas. They began to prepare your days to go to prison. Ils ont commencé à préparer ton jour d'aller en prison. But when they looked at God. Mais lorsqu'ils ont regardé à God Dieu. God had already worked it out. Dieu avait tout arrangé. In a way that you walk out alive. C'est la manière dont tu t'en sortiras vivant. I came to prophesy. Je viens prophétiser. Over the Rama Church. Sur Rama Church. Every battle where they saw you losing. Tout le combat où t'as every perdre. Battle where you were fighting a bigger system. Tous les combats où tu combattais every un système battle puissant. That you were in a bigger opponent. Tous les combats où tu combattais I un opposant decree puissant. And I declare. Je déclare et déclare. The power of God. Oh, les pouvoirs de is Dieu. About to get you out of it. Et sur les points de sortir de what là. Is the sweet reward? Quelle est la récompense? What is the sweet reward? Quelle est la récompense? Pastor, what is the sweet reward? Pastor, quelle est la récompense? It is that what was meant to kill me. C'est que était supposé what me tuer. Was meant to bury me. C'est que était supposé m'enterrer. It has become my footstool. Est devenu mon. The sweet reward is this. Les that the people that were carrying my coffin. C'est que les gens qui portaient mon cercueil. Were buried before me. Se sont enterrés avant moi. The sweet reward is this. Oh, la récompense est. That it traces before me. Ils ont avant a moi. A table. In the face of my enemies. Ils ont placé une table en face not de mes ennemis. Not only for me to eat. Pas pour moi les manger. But he anointed my cup with oil. Et l'onction de Dieu est and my moi. Cup overflow. Et ma coupe a débordé. In the midst of an ugly battle. Au milieu d'un combat. There is a sweet reward. Il y a une récompense. What is a sweet reward? Quelle récompense? Is to see you live another day. C'est de voir vivre un autre when jour. When they get to be buried before their time. Quand ils vont s'enterrer avant leur oh, temps. Oh, listen to me, beloved. Écoutez bien aimé. I hear the words of Joseph. J'écoute la voix de Joseph who sits his brothers down qui voit ses frères and says to them et il leur dit in Genesis chapter 50 en Genèse 15 that you meant it for evil. C'est que vous avez préparé but pour God mon meant it for my good. Dieu l'a changé pour it mon was bien. An ugly battle. C'était un manche combat. How are you fighting your brothers? Comment tu combats tes how frères? Are you fighting one innocent? Comment tu combats un innocent? How do you go to jail when you didn't do nothing? Comment tu vas en prison it was an rien ugly fait? Battle. C'était un manche combat. But the sweet reward is that all along c'est que tout est dans. God meant it for my good. Dieu l'a fait pour when mon you bien. Were hating me détester, God meant it for my good. Dieu l'a fait pour mon when bien. You accuse me, God meant it for my Dieu good. L'a fait pour mon bien. When you sent me to jail, God prison, meant it for my good. Dieu l'a fait pour mon like bien. Pastor Henry says, Pastor Henry a dit, when certain things happen, quand les choses arrivent, you ask yourself, tu te poses la question, do I thank God? Je bénis Dieu. Or say, God, you are an ugly God. Listen to me, beloved. Écoutez, there is a sweet reward. Il y a une there is a sweet reward. Il y a une récompense. Somebody say a sweet reward. Quelqu'un dit une récompense. What is a sweet reward? Quelle est la récompense? Is that God will use. C'est que Dieu va utiliser. The enemy you are facing. L'ennemi dont vous faites face. As the door. Comme une porte. To your next level. À la prochaine niveau. How do I know this? Comment je sais ça? Because Mordecai. Parce que Mordecai. Was fighting. Combattait. An ugly battle. Il a un manche combat. He was fighting a man. Il combattait. By the name of Amen. Amen had the signature of the king. Il avait la signature du he roi. Had the trust of the king. Il avait la confiance he du roi. Had the authority of the king. Il avait l'autorité du whatever roi. He said, c'est ce qu'il disait, it was like the king said it himself. C'est comme si le roi l'avait but dit lui-même. Some way, somehow, mais quelquefois, Mordecai, who was just a gatekeeper, qui était simplement with no resources, who was just a gatekeeper, qui était seulement une sentinelle, who was taken from his house, qui était pris de sa maison, into Babylon, deported into Babylon.
déporté à Babylone. The Bible says, la Bible dit, it is this man, c'est cet homme who had nothing, qui n'avait rien, that will take down, qui va faire tomber, the man who had everything. Qui a fait tomber, I take a 30 second prophetic break and prophesy over your life, je prophétise ta that vie, anybody fighting you, quelqu'un qui te combat, with all the means, avec tous les moyens, with their resources, avec les ressources, with their connection, avec leur combat, I stand here, je me tiens ici, as one that God has called, comme celui que Dieu a to decree and declare, pour déclarer, the décréter, finality of that battle, la finalité de ce shall combat, be your sweet reward, sera ta récompense. Ah, I didn't hear your je amen, pas entendu. I didn't hear your je amen, pas entendu. I didn't hear your amen. Let your amen be louder than that of your brother. Somebody says sweet reward. Oh, David was fighting an ugly battle. He fought a lion. He fought a bear. But here we are. 1 Samuel 17. He's fighting Goliath. A man four times his size. A man with better experience. A man with better advantage. It's an ugly battle. The king says, take my armor. Maybe you will win. David said, I know a God who was with me in the bush. I had no sword. I had no rod. I had no thing. But I had my hand. And my God, et mon Dieu, what happened, qu'est-ce qui s'est passé, is that I teared down the lion. C'est que j'ai déchiré les the lions. The bear came as well. Et les loups sont venus I aussi. Tear him down. J'ai aussi tué but l'ours. Here I am. Et je suis là. Still alive. Je suis là en vie. This uncircumcised cannot stand against me. Ne peut pas tenir devant when moi. David tore down. Goliath, Goliath, the sweet reward, les was not just Goliath's head, pas la tête in de Goliath the hand of David, dans les mains de David, the sweet reward, la was that David, David became part est of the royal family, de la famille the royale. Sweet reward, la was that David, David, him and his family, même sa famille were exempted from taxes, et the sweet reward, la is that David, David was also enriched. Aussi oh, I cannot finish. Je ne peux pas finir my sermon. Mon message. Without talking to you. Sans parler about my Lord. Sans parler and my Savior. Mon Seigneur et mon Jesus Sauveur, Christ. Jésus Christ. Because in Isaiah. Parce que en Esaïe 53. 53. Verses 1. Verset 1. Please take me there. Amenez-moi là. Isaiah 53. Esaïe 53. And verses number 1. Et le verset 1. The Bible says. La Bible dit. Who will have believed? Qui aurait cru? The report of the Lord. Les rapports de mon Seigneur. The story we are about to tell you. L'histoire que nous sommes sur les you won't believe it is true. Vous n'allez pas croire qu'il est vrai. You won't believe it is true. Vous n'allez pas croire qu'il est vrai. Who has believed? Qui a cru? The report of our Lord. Les rapports de notre Seigneur. To whom has the arm of the Lord has been revealed? Verses number 2. Verset 2. The Bible says, la Bible dit, he shall grow up. Il va grandir. As a small. Comme un petit. Tender plant. Amen. As a root out of a dry ground. Yes. He has a form of comeliness. When we see him, yes, there was no beauty, mm-hmm, that we should desire him. Amen. In verses 3, verset 3, he was despised, rejected by men, a man of sorrow, acquainted with grief. We hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Oh my God, surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten, oh my God, and afflicted. But verses 5, verse 5, the Bible says, he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, and the chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed.
Jesus on the cross. Jésus à la croix. Became powerless. Est devenu impuissant. He was like a tender shoots. Il était comme rien du tout. Taken from a dry ground. Il était pris de. He was vulnerable. Il était vulnérable. He was weak. Il était faible. He was sweaty. Il était transpiré. Blood and water was coming out. He was stripped and naked. Il était minu. But from that place, in a moment of weakness, he was dead. Il était mort. And he was buried. Et il a été enterré. First day. Les premiers jours. Second day. Le deuxième jour. The third day. Le troisième jour. The earth. La terre. Could not handle it anymore. Ne pouvait le gérer encore. He said no, 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 no. Il a dit non, 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 it was an ugly battle. C'était un moche combat. But there is only one winner. Quand il y a un seul victorieux. It can't be the devil. Ça ne peut pas être le diable. It can't be curses. Ça ne peut pas être les morts. It can't be sin. Ça ne peut pas être les péchés. It can't be Satan. Ça ne peut pas être Satan. It got to be God. Non, ça doit être Dieu. On the third day, jour, he rose again. Il est ressuscité. I decree and I declare. Je déclare et déclare. This morning, matin, you will rise. Tu vas monter. For there is a sweet reward. Il y a une récompense. Ugly battles, but sweet reward. Précède la récompense. What they sent to kill you. Ce qu'on a envoyé pour te tuer. Will be killed before it kills you. Sera tué avant de te tuer. Samson says. Samson a dit. Out of the eater. Out of the eater. En dehors de celui qui mange. De celui qui mange. De celui qui mange. Has come out. Est sorti. Something to eat. Quelque chose à manger. The lion is dead. Le lion est mort. That's not the reward. Ce n'est pas la récompense. The reward comes. La récompense vient. When few days later. Quand plusieurs jours après. I am passing where I should have been dead. Je passe là où je devais mourir. You don't get me. The sweet reward, Papa Charlie. La récompense qui vient. Is when I am walking in the valley of the shadow of death. C'est quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. I am walking right in the place where I should have left my flesh. Oh, je marche là où je devais laisser ma chair. I am walking right in the place where they should have buried me. Je marche là où on devait m'enterrer. Like it is in a culture in South Africa where you die, they leave a cross there. Comme c'est une culture en Afrique du Sud là où tu meurs. I am walking where they were supposed to put a cross and my picture. Je marche là où on devait mettre ma photo et une croix. And I see the thing that was supposed to kill me. Et je vois la chose qui était supposée me tuer. There are times. Il y a des temps. You got to revisit the places of your victory. Tu dois revisiter la place. There are times. Il y a des temps. You gotta go back to places you could have been killed on. Tu dois rentrer vers l'endroit où tu devais être tué. And say between you and I. Et dire c'est entre toi et moi. Who's still alive? Qui est vivant? Who's still alive? Qui est vivant? He looked at the carcass. He looked at the carcass. Il regarde les cadavres. And he saw something there. Et il voit quelque chose là. Some honey. Le miel. Some bees. Les abeilles. He takes his hand. Il prend sa main. Stretch it in. Fait entrer sa main. And takes out. Et ressort. And I remember, et il se rappelle. I will live in a land que je vivrai dans la of dans milk dans terre, and honey. De lait et le miel. What God did not tell me. C'est que Dieu ne m'a pas dit. Was where was the honey gonna come from? C'est que d'où devait provenir le lait et le miel. I thought honey was gonna run. Oh, ce n'est pas comme si le lait but devait tomber. But honey was gonna come out. Mais le miel devait from sortir. The thing that was supposed to kill me. De ce qui devait me tuer. I decree and I declare. Je déclare et déclare. Prophetically reach out. Prophétiquement into après. The cadavers of your enemy. Dans les cadavres des ennemis. Take out your crown. Ressort ta couronne. Reach in. Entre into the cadavers of those. That were sent to slay you. Take out your honey. Take out your crown. Take out your reward. Take out your breakthrough. I take my breakthrough. I take my breakthrough. I take my crown. I take. Écoutez, le temps est passé.
He reached out his hand. Il a fait entrer sa main. In the carcass of the lion. Dans les cadavres du lion. And he tasted. Et il a goûté. And all of a sudden, wisdom began to eat his mind. Et tout d'un coup, la sagesse est entrée dans sa tête. Wisdom hit him spirit. La sagesse est montée dans sa tête. Out of the eater. Came something. De celui qui mange. Et sorti. Et sorti ce qui doit se manger. Came something to eat. Et sorti ce qu'on mange. Yes. Yes. Sweet thing. Des bonnes choses. I'm about to tell somebody. Je suis sur le point de dire à quelqu'un. Fight that battle. Combat ce combat. Did you hear what I said? Tu as entendu? Fight that battle. Combat cette bataille. Did you hear what I said? Fight. Vous avez entendu? Combat. Victor, fight. Victor, that combat. Fight that battle. Combat ce combat. Fight that battle. Combat ce combat. There's a sweet reward. Il y a une meilleure récompense. Fight that battle. Combat le combat. Don't say. Ne dis pas. It should have been the will of God. Ça devait être la volonté de Dieu. If it was the will of God, it would have just happened. Si c'était la volonté de Dieu, ça devait seulement arriver. It is the will of God. Fight. C'est la volonté de Dieu. Combat ce combat. They may have means, natural means. Ils peuvent avoir les moyens naturels. But I have supernatural unlimited means. J'ai les moyens surnaturels et illimités. Fight that battle. Combat ce combat. Fight that battle. Combat ce combat. There's a sweet reward. Il y a une meilleure récompense. I said there's a sweet reward. Il y a une meilleure. There's a sweet reward. Une récompense meilleure. He took it. Il a pris. It was not just for him. Ce n'était pas seulement pour lui. He fed his daddy and mom. Il rentre vers son père et sa mère. They did not know where the honey came from. Il ne savait pas d'où provenait le miel. Some of you are going to be enjoying blessings. Certains d'entre vous, vous allez profiter de l'essence. Your family will be enjoying blessings. Oh, votre famille va profiter des bénédictions qu'ils ne connaissent pas. It came from ugly battles. D'où cela provenait? Des manches combat. Where did you even get this sweet honey? Où est-ce que tu as trouvé ce meilleur? This is really original. Ça c'est de l'original. If I told you where I got it from. Si je vous dis d'où j'ai trouvé. You won't believe that it is a real person talking to you. You think it's a ghost. Vous n'allez pas penser que c'est un homme réel qui vous parle. Vous penserez que c'est un fantôme. Fight. Combat. Ce combat. It's an ugly fight. C'est un manche combat. It may leave you with some stains. Ça peut vous laisser avec des erreurs. It may stains. Ça peut vous laisser avec des taches. It can leave you with some blood. Ça peut vous laisser avec les sangs. But ultimately, mais ultimement, there shall be sweetness that you shall take out. Vous allez savourer. Il y a quelque chose de bon dont vous allez savourer. The masters of the feast, everybody stand up. Les maîtres de la fête, tout le monde se tient debout. Say to Jesus. A dit à Jésus. Where have you gotten this one? D'où est-ce que tu as trouvé ces bons vins? Because everybody serves first a better wine. Parce que tout le monde sert d'abord le meilleur vin. And after the inferior. Et puis après les moins bons. When they are already drunk. Quand ils sont déjà ivres. But where are you getting this sweet wine? Mais toi, d'où est-ce que tu trouves ces bons vins? When we are well drunk. Quand nous sommes déjà ivres. It has not come from your natural means. Ça ne vient pas de vos moyens naturels. It has come from ugly fight. Ça vient des manches combat. Your greatest anointing. Votre plus grande onction. Does not come from easy things. Ne vient pas des choses faciles. It comes from your greatest moment of test. Ça vient de votre moment dans la vie. So allow yourself through that battle. Permets-toi même de traverser ces combats. Even if you are fighting a system that is ugly. Même si vous combattez un système qui est moche. Stand strong, immovable. Tenez-vous in the Lord. Tenez-vous imbougeable dans le Seigneur. Soyez imbougeable. The Bible says, "For we know that our service to the Lord will not be in vain." Parce que la Bible dit, nous savons que notre service à l'Éternel ne sera pas en vain. This morning. Ce matin. I want you to hold the persons next to you. Je veux que vous teniez la personne à vos côtés. And I want you just to pray for them. Et priez pour la personne. That whatever battle they are facing. Et quelles que soient les batailles qu'ils font face. Let there be a sweet reward.
que cette bataille puisse avoir une récompense. The end of the battle. La fin de ce combat. Let it be a sweet reward. Que une bonne récompense. Lift up your voice, everybody. Come on. Levons nos voix, tout le monde. Sweet reward. Une bonne récompense. Sweet reward. Une bonne récompense. Sweet reward. Une bonne récompense. Lift your voice, everybody. Élevez vos voix, tout le monde. Alabara de Gea. Le Brazele de Ba.